Bienvenue à l'école numérique Mashindano. À présent, nous avons la leçon de français vocabulaire. Vous allez lire les mots que je vais présenter au tableau. Le premier mot est là. Le deuxième mot est là. En lisant le premier mot, le partage. Le deuxième mot, c'est le verbe partager. Le premier mot, c'est le nom et le deuxième mot, c'est le verbe. Alors, quelle est la partie parmi ces deux mots qui ne change pas? La partie du mot qui se répète. Nous avons là-bas par et ici nous avons par. Quand on cherche les mots dérivés, la partie du mot qui ne change pas dans les mots s'appelle comment? La partie du mot qui ne change pas dans les mots s'appelle. Le radical. Aujourd'hui, maintenant, nous allons étudier comment trouver le radical dans un mot. La partie du mot qui ne change pas. Alors, je vais présenter d'autres mots au tableau. Vous allez essayer de trouver le radical. Pour le premier là-bas, le radical c'est par et là-bas c'est par. Alors, on a le mot par exemple passage. Passage. Nous avons chanteur. Nous avons richesse. Nous avons comptable. Nous avons transporter. Vous lisez les mots là-bas et vous trouvez les radicales. Pour trouver les radicales, essayez de chercher les mots dérivés et vous voyez la partie du mot qui ne change pas. C'est à ce moment-là que vous allez découvrir les radicales. Alors, le premier mot, les radicales, c'est pas. Si on trouve d'autres mots, on peut dire passager, on peut dire passer. La partie du mot qui ne change pas, c'est pas. Le deuxième mot, la partie du mot, en cherchant les mots dérivés, on peut dire enchantre, on peut dire le verbe chanter, on peut dire chanson, la partie du mot qui ne change pas, c'est chat, le radical. Richesse, c'est la partie du mot qui ne change pas, c'est riche. En cherchant d'autres mots dérivés, c'est riche qui ne change pas. Comptable, la partie du mot qui ne change pas, en cherchant les mots dérivés, c'est compte. Par exemple, comptabilité, par exemple, le verbe compter. Là, on peut trouver d'autres verbes. Richesse, le verbe s'enrichir. Transporter, la partie du mot qui ne change pas, c'est porter. Là-bas, on a ajouté le préfixe trace. On a ajouté ça au verbe porter pour trouver un autre mot. On peut trouver d'autres mots, par exemple, comme transport, transporteur. Vous allez voir porter, porter, qui est la partie du mot qui ne change pas. Maintenant, à chercher les radicales dans un mot, ça nous aide à bien trouver le sens du mot. Par exemple, quand on dit comptable, il y a le mot compter qui ne change pas là-bas. Compte,
Vous voyez là-bas, c'est celui qui fait les comptes. Alors, chanteur, c'est celui qui chante, qui fait le chant. La richesse, c'est celui qui est. Celui qui a la richesse, il est riche. Maintenant, vous allez vous exercer. Là où vous êtes, vous allez chercher les radicales du mot royal, les radicales du mot regroupé. Vous allez chercher les radicales du mot sentir. Vous allez essayer de chercher ça à partir des mots dérivés. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.